Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, l'épisode 3. Et oui, vous voyez, le village a un peu avancé, petit problème d'enregistrement sur l'épisode 3 initial, donc il y a une petite demi-heure d'avancée. J'ai construit en gros hein, toute la partie bergerie, donc enfin, j'ai fait on va dire toute l'alimentation de laine, de tissu et de vêtements. Que j'ai aussi débloqué allez, la route commerciale, allez, la route commerciale avec Middle bon, pour pouvoir vendre des vêtements ordinaires et du poisson. Qu'est-ce que oui, j'ai également mis en construction pas mal de cabanes de pêcheurs, bah, justement pour pouvoir vendre ce poisson. Et j'ai changé les stocks. Dans le sens où, comment dire, je veux toujours avoir au moins 100 de chaque ressource, enfin 100 de ressources en stock avant de le vendre. J'ai également modifié temporairement, mais modifié quand même tout ce qui est extraction pour faire un passage ici. Hop, on va faire ça propre même. On va faire un beau passage comme ça et surtout voilà, on aura les délimitations donc pour ici avoir la forêt avec des cabanes de chasseurs etc qu'on mettra un peu plus tard. Là-bas on aura les champs, tiens d'ailleurs on aura les champs et là je vois que je peux rajouter deux cabanes de cueilleurs de baies. D'ailleurs ça j'aurais peut-être, je dis bien peut-être besoin de créer une zone résidentielle supplémentaire. On verra. On verra, mais en attendant, cabane de récolteurs. Je vais mettre le plus possible par là. Ah oui, aussi, j'oublie, j'ai promu pas mal de gens. Parce que déjà, j'ai un bailli à ce niveau-là. Il est en train de courtiser la noblesse. Le bailli qui est Basileus. Et j'ai également besoin de deux roturiers, donc tisserands qui sont Foxy et Skippy. Et un dernier tailleur qui est Dr. Matt. Donc j'ai promu quatre serfs roturiers parmi vous. Qui sont prêts à. Bah, qui ont tout simplement augmenté dans la société, quoi, dans la hiérarchie, c'est bien. Félicitations à vous deux, à vous quatre. Oui, pourquoi vous deux, je sais rien. Là, on va être un peu en déj de thunes pendant quelques temps. Parce que, bah, comme je vous disais, vu que je demande à avoir 100 de stockage de ressources, bah, je vais aussi avoir besoin de 100 de stockage d'outils. Les outils, je ne les fabrique pas, je les importe, ils sont chers, donc bah, à chaque fois, ça va coûter une blinde. Ah, je me disais, j'étais en ralenti. J'étais en vitesse 1 au lieu d'être en vitesse 3. J'ai également, oui, on peut avoir ajouté donc le niveau du marché des vêtements des vendeurs de vêtements parce que les roturiers ont besoin de vêtements. Ça fait partie de leurs besoins. Donc pas le choix. Et la nouvelle église, je ne sais pas si je l'avais fait sur l'épisode 2. Mais au cas où je ne l'ai pas fait. Comme je n'ai pas construit sur l'épisode 2, bah voilà, vous êtes au courant. Je suis en train de voir que malgré ma production de laine, ça galère un peu. Non, j'ai toujours un peu de laine côté. Ouais, non, non, j'ai pas un. Mais la production de laine ne suit pas malgré, malgré deux bergeries. Dommage. Hop, allez, on va recruter un pêcheur et je vais refaire une bergerie, hein.
Elle sera bien ici la bergerie, non? Oui. Matière première manquante, je manque de bois. Oui, c'est normal, ils sont partis de chercher assez loin. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Alors les moutons vont se perdre dans les bois, heureusement qu'il n'y a pas de loup. Parce que là, ce serait compliqué. Alors lui, il s'est foutu, mais dans l'église, hein, presque. Hein. Regardez-moi ça, il est presque dans l'église, lui. Hein. Oh, il n'y a pas peur. Bon, au moins le matin, il va entendre les cloches. Hein. Peut-être un peu trop même. Ouais, au niveau des baies, c'est limite. Là, ma consommation de baies est très grande. Heureusement, je produis un peu de poisson. J'ai toujours la dèche en pièces. Je ne produis pas assez de planches. Et je ne vends pas encore de pierres taillées. Bientôt, je vais pouvoir vendre des vêtements ordinaires. Bientôt, mais ça se vend que dalle. Hein. Je vends plus cher une planche que des vêtements. Alors, m'expliquer la logique. C'est vrai que pas ouf, ça. Comment ça? Bon, lui, il devrait peut-être acheter deux. Des vêtements, avec un peu de chance. Il a acheté du poisson. Ah non, c'est lui qui a acheté. Il m'a acheté un peu de vêtements, ça c'est bien. Je pourrais imposer les villageois, mais pas besoin. C'est juste une période un peu plus creuse. Dans tous les cas, on maintient, on n'est pas en descente, et en vrai, vu qu'on construit des choses et on se fait un stock, c'est pas très grave d'être de ne pas faire de bénéfices. On agrandit nos stocks au final, donc c'est vraiment pas un souci. Hop, au niveau des zones, comment je suis Ok, tout ça, ça a été fait. Là on est bon. On verra le reste plus tard. Alors oui, bon là c'est légèrement. Ah quoi que c'est bon. Parfait. Ça y est, on va avoir de la pierre taillée bientôt à vendre. Même pas si ça vaut cher. 3. Pierre taillée, ça vaut autant que de la planche. Je suis déçu. Là, je suis assez déçu. Hein. Bon, j'ai toujours de laine, par contre, faut m'expliquer. Ouais, là, c'est ça, j'ai de la laine, mais j'ai pas de. Ouais. Petit peu, ça s'est redépensé de suite. Hein. Oh, on a 30 pièces d'or. Attendez, 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 construire. Hop là. Construire. Plus ça demande que du bois. Oui, vous pouvez venir. Même si du bois, j'en ai pas beaucoup de suite. C'est pas bien grave. Dans tous les cas, ça. Et les moutons, ils partent loin. Hein. Comment ça coûte ça à construire 25? Okay. Là, j'ai une nouvelle maison qui va se faire. Bon, elle est capable de pêcheur. Hein. Je vais vérifier. Oh, oui. C'est quoi? Je vais même agrandir un peu. Là, je vois que tout ça c'est bon. Hop, profitez de la plage, les gars. On a une production de poissons qui est énorme.
J'ai gagné un petit peu. Mon bailli a fait du bon travail et a rapporté 10 d'influence de noblesse. C'est pas mal. Sacré pion quand même. Ok, densité 2. J'ai deux marchands qui arrivent. Ça, c'est bien. Manque de matière première. Manque de bois. Soixante-dix outils. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout avec ça, là. On va vendre plus de baies parce que là on a vraiment du mal avec la baie. D'autant que lui on peut leur vendre, eux on peut leur vendre des baies. La baie c'est deux pièces d'or la baie. Oh la vache. Le poisson c'est un. On peut leur vendre des baies à un et du poisson à l'autre, donc c'est bénef. Par contre je vais le mettre en priorité ces bâtiments, la maison. Attends. Oh, surtout que ça ils attendent que le constructeur en plus. Avant la fin. Cabane de récolte construit, impeccable. Hop, allez. On va mettre trois travailleurs. En train de voir, mais en fait. Voilà, ici ce sera notre zone d'extraction de bois. Tout là. Ouais. C'est ça. Ouais, mais il va pas jusqu'à là-bas, lui. Ah, c'est mon camp forestier qui a peut-être pas la portée. Je le décalerai, je le mettrai bien au milieu ici. Bah tiens, tu sais quoi? Voilà, ici je vais le décaler, il aura peut-être mieux la portée. Je sais pas. Lui, il est. Non, il n'est pas construit. Voilà, c'est en train de couper du bois, c'est bien. Là, c'est le. Hop, c'était. Ça va être le dernier arbre là. Il n'y en a plus. Ma question c'est est-ce que ça. Il y a encore des arbres? Je crois pas. Ah, il y aurait du monde. Il sera allé peut-être plutôt. Ouais, ok, on sort ça extra. Hop là. Allez, donc, extraction de bois maintenant. Bon les mecs, vous savez où couper du bois. Félicitations. Non, c'est pas ça. Donc on va couper plus de bois, on aura plus de bois pour faire des planches. Également récolter plus de baies. Le poisson là, on en dégueule, c'est ouf. Ils viennent de loin, hein. Je sais pas où est-ce qu'ils travaillent. Mais... Regardez. Ah, il y a 141 mètres de son domicile. C'est pas mal. C'est vraiment beaucoup. On compare avec...
43 mètres. Et 43 mètres, je pense, c'est pas mal, hein. Déjà, c'est beaucoup, hein. 28, 76. Ah ouais. Ouais, mais il fait le bûcheron. Ouais, d'accord. C'est vrai que si on compare au pêcheur, bah là, 43 mètres. Ah bah attends, il me fait mentir. Le prix. Et lui, 20 mètres. Donc on a bientôt fait le plein d'outils, on est à 90 sur 100. Le bois, ça remonte. Ça remonte même bien. Là, ça coupe comme il faut. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai pas l'argent nécessaire pour reconstruire le camp forestier. D'ailleurs, il est niveau combien, lui? Niveau 1? Il n'est pas assez replanté, hein, voyez, il va falloir le faire replanter un peu plus, lui. Mandater le bailli, oui, mais ça coûte cher de mandater un bailli. Ça coûte très cher. Pourquoi je fais un accent chelou, là? Des villageois, ouais, qu'il faudra aller travailler au champ, mais pas beaucoup plus, hein, mine de rien. Non, je vais arrêter d'en recruter là. J'en ai déjà 11, 900 emplois. On va éviter d'en recruter trop. J'ai pas mal d'habits à vendre là. Ah, mais la route commerciale est peut-être pas très grande. Non, je ne mettrai pas en place une levée. Alors, qu'est-ce qu'il va m'acheter? Il va acheter des baies. Ou du poisson. Ou les deux. On peut voir, je crois, en cliquant dessus. On va voir un des deux. Je sais pas trop lequel, mais il m'en a acheté un des deux, ça c'est sûr. Hop, le campement forestier, on va le construire. Voilà, on a tous nos outils. Voilà, déjà, on n'aura plus de dépenses liées à ça. On a tout le bois nécessaire ici. Le bois que ça coupe là, par contre, ça. Donc on disait, moi j'aime pas trop. Hop. Ils sont pas très très beaux dans ce mode de jeu. Un campement forestier. Et comme ça, on aura deux forestiers pour reboiser. Ça devrait être bon, non? Ça coûte 25. Je me suis perdu dans mes pensées là pendant un moment. Non, les nouveaux arrivants, on avait dit non, désolé. Plus tard, mandater le bailli pour aller explorer. Bon bah, on va les courtiser. Machin du royaume là, je crois que ça coûte, c'est ça le problème. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Non, je m'en fous d'élever, moi. C'est courtiser voilà, le royaume. Donc on attend, t'as du bailli. Le bailli, il va aller au royaume. Faire ce qu'il faut. Voilà, je peux construire ma bergerie. Maintenant, je fais beaucoup plus de bénéfices. Ça, c'est bien. On va voir, est-ce que j'ai bien.
aucun travailleur nécessaire. Oui. Une fois que ça sera fait. Toi qu'elle sera fabriquée, on pourra y mettre notre. Notre serre. Voilà. Créer un mouton et hop, quelques bergers. Voilà. Normalement, comme ça, il devrait toujours y avoir du tisson dans cet atelier de tisserand. J'espère. Bon. Alors, sinon, de quoi j'ai besoin? Oui, hutte de chasseur. Regardez-moi ça. Voilà. On va les mettre bien dans la forêt. Comme ça. Ici, une dernière. C'est où ma hutte? C'est où ma hutte du chasseur? Une dernière là-bas. Bien collée là. Oh, mais ça va jusqu'à là. Allez. Voilà. Avec ça, je vais avoir besoin d'une boucherie. Elle est où la boucherie? Elle est où la boucherie? J'ai le. Allez là. Attends, quoi? La boucherie. Et c'est pas une tannerie, hein, c'est une boucherie. Hein. Ah, la boucherie est considérée comme faisant baisser le. Pas une tannerie, hein, comme je disais. Dommage. Bon, on va le mettre là. On va avoir quelques petits chemins en forêt là, un petit chemin qui fait le lien. Deux chasseurs. Hop, allez, un chasseur s'il vous plaît. On a la laine qui remonte bien. Ah, pas mal de tissu, ça c'est cool aussi. Hutte de chasseur. Une... Par là, ah, elle est pas ok. Comment ça, zone de chasse manquante? Ah oui. Bon, il se peut que je vous ai oublié, les mecs. Hein. C'est bon, c'est pas très grave là. Chasse non manquante. Je vais les recruter parce que mine de rien. Ça m'a demandé des travailleurs tout ça. Il y a quelques moutons, hein, dis donc, qui se baladent. Je suis pas mal au niveau argent, 224 pièces d'or. Et ça augmente bien. Ça augmente plutôt très bien même. Du sanglier, on chasse du sanglier. On fait une boucherie, mais je peux. Attends, je peux en vendre. Attends, mais. J'ai un métal ici, il n'est pas utilisé celui-là. Mais j'ai. J'ai 4 étals et j'en ai un qui. Vêtements ordinaires et lui. Ah, il n'est pas construit.
Ok. Alors, je vais faire un deuxième mini village ici, vraiment mini mini. Pour tous ceux qui ont des emplois dans le coin. En fait, là, va y avoir une. Je peux même pas faire la jonction. Dire, je mets une jonction. Si vous savez ce que je vais faire. On va tricher un peu parce que là, j'ai des choses qui font baisser la valeur du terrain localement. Regardez. On va un peu trichouiller. Mettre une belle église ici, là. Vraiment entre les deux, là. Voilà. Le clocher le plus pas trop besoin. Hop, comme ça prend pas trop de place. Mettre la porte. On la construit. Je me fais un centre du marché juste ici, là. Comme ça va bien augmenter la valeur locale. Marché, 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 marché. Où le marché? Donc, étal de marché. Donc, on va faire hop, nourriture. Pourquoi? Comment ça, je peux mettre mon marché dans l'église? C'est pas logique. Regardez ça. Excellent. Hop, un marché ici. On va mettre un vêtement là. Encore un peu plus de nourriture là. Troisième type de nourriture ici. Peut-être un mini comptoir commercial l'endroit. Et un dernier. Et un dernier ici. Voilà, alors on va tous leur rajouter des tentes. Ça augmente la capacité de stockage. Ça coûte 75, 100 de bois et 25 de tissu en laine. Ah ouais, quand même. Ah, il m'a vendu. Et surtout, voilà, mais la zone résidentielle. Hein. Oula, ça peut faire plus? Non. Et surtout, voilà, on va faire ça. Là. On va même augmenter encore un peu. Comme ça. Et là, on aura des beaux champs, là. On va recruter ces deux nouveaux arrivants. J'ai pas assez de pierre. C'est l'église, là, qui m'a demandé de la pierre. Ah ouais. Bon. On va faire en sorte de terminer l'église le plus rapidement possible. Bon, ça m'en fera pas mal, des églises. Hein. J'en ai déjà trois. Je devrais pas avoir à me poser de questions avant un petit moment. Oh, la viande! Oh. Oui, ça produit vite, hein. Alors, sanglier et viande. Voilà. Là, j'ai rien à signer pour l'instant. Il va falloir que j'agrandisse le marché dans tous les cas. On va vendre de la viande ici aussi, hein. Hop, on va mettre le marché, on va continuer par là. Tac, tac, tac. Construire. Là, on a des nouveaux arrivants. Bien. L'église a été fabriquée. Là, les étals qui ont déjà été. Ah, pour beaucoup déjà faites. Hein. Alors, ressources, B. Viande, poisson. Et là, on va mettre un vêtement ordinaire. Hop. Ah, j'ai plus de villageois. Ils ont tous du travail. C'est bien, le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. Bon.
Bam. Très bien, je vais pouvoir recruter de nouveau. Voilà. Toi. Ah, il n'est pas encore fabriqué. Ouais. On va attendre un peu. J'ai un sans emploi, hein, c'est vraiment. Le mec, il a foutu sa maison juste en face des baies. Ah ouais. Il est déjà en train de vendre, qu'il y a déjà des tissus en. En train de vendre des tissus, je crois. Il vend quelque chose. Ça doit être des tissus. Le mec est en train de fabriquer la toile en même temps. Ça me met bien. Parfait, ressources assignées. De la viande. Et hop. On recrute, bien évidemment. Production de viande. Attends, je vais la vendre la viande. Elle se vend en plus, je crois. Ouais, elle se vend 3 pièces d'or. Hop là, merci de passer. On va finir l'épisode là-dessus. Voilà, j'espère que bah, il vous aura plu. Voilà, j'ai rattrapé un petit peu le loupé de l'épisode précédent, bah, enfin, que vous n'avez pas vu. Que je vais pas publier normalement. Et là on a commencé notre agrandissement vers le nord et vers plus tard les mines. Je vous dis à très bientôt. C'était Tchob. Allez, ciao.